Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on va partager avec vous comment faire un gâteau au chocolat ou cacao. Et c'est parti! Premièrement, on va prendre du beurre et on va le faire fondre au micro-ondes. On va faire ça en juste en une minute. Et après, on peut, dans un bol, mélanger du sucre avec des œufs. Et aussi, un peu de sucre de vanille. Dans un autre bol à côté, on va mélanger la farine avec une pincée de sel. Le sel est juste super dans un gâteau au chocolat, il ne faut pas l'oublier. Et sûrement, on va aussi verser du cacao en poudre. Il n'y a pas de chocolat dans ce gâteau, il y a du cacao en poudre. Et ça va donner un bon résultat quand même. On va maintenant verser les ingrédients secs dans les ingrédients liquides. Et ça se fait très très simplement. On va juste mélanger avec la fourchette. Et on peut aussi ajouter le beurre fondu. Et on va mixer. C'est un gâteau vraiment bon. Il est beaucoup plus meilleur si on le laissait rester au frigo pendant au moins 12 heures. Parce que comme ça, on va avoir un gâteau plus, fudgy et plus dense. Comme vous pouvez voir, le mélange est bien dense. Alors, on va maintenant juste mettre un peu de papier dans un moule à gâteau et on peut verser le mélange. On va le faire cuire au four pendant environ une demi-heure à 170 degrés Celsius. Et oui, comme vous pouvez voir maintenant, je le coupe et c'est un gâteau vraiment moyeux et ça n'est pas un problème du tout. Mais après 12 heures, ce qu'on peut voir maintenant, c'est le résultat. Beaucoup plus dur et aussi beaucoup plus dense, et ça c'est parfait pour un dessert avec une belle boule de vanille ou glace de vanille. Merci d'avoir vu cette vidéo ici à MTB Cooking. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez la vidéo et à la prochaine. Salut!